qui maintenant? Celui à qui nous devons tant de joie, notre ami Mickey! Oyez, oyez, pèlerin! Je vous souhaite bienvenue à tous en boîte pour Thanksgiving! Ce soir, nous avons une corne d'abondance de dessins animés! Et notre invité d'honneur est... la dinde! Apportez la bête! Remercions le ciel pour cette dinde! Bonsoir et bienvenue! Pocahontas, John Smith et les couleurs du vent, entrez! Et maintenant, remercions pour leur musique les rockers de Plymouth! Quel plaisir de te revoir, l'ami! Nous te remercions d'avoir choisi d'être avec nous pour Thanksgiving! Non, c'est à moi de vous remercier! Vous allez me permettre de montrer au Mood que je suis plus qu'une volaille dodue que l'on chasse une fois par an et qui fait... glou-glou! Ah, regarde! C'est lui qui fait glou-glou! Oh, vas-y, fais glou-glou! Ah, je regrette! Je ne fais plus ça! Je suis ici pour chanter! Mais c'est Thanksgiving! Je t'en prie, fais-le! Avec un peu de sauce. Non, d'accord, juste une fois. T'es trop génial. Oh, signe-moi un autographe. Oh, excuse-les, je savais qu'ils en feraient tout un plat. C'est une farce, je suppose. Si tu as besoin d'un jus ou de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas. Ah, un jus, amusant. Miam, miam, du maïs. Et nous avons de la soupe, des escargots et du gâteau à la mélasse et un excellent rôti. Je suis en retard. Vous n'auriez pas un plat plus rapide? C'est assez rapide pour vous. Et voici un dessin animé avec notre invité vedette, la dinde. Il y a la pièce rouge du dessus qui tenait pas, alors je l'ai collée. Mais il faut qu'on réponde. C'est le premier client qui nous appelle. Chasseurs de dindes, nous chassons les dindes. Passez votre route, inconnu. Je m'attends à la visite imminente de chasseurs de dindes. C'est nous, les chasseurs de dindes. Prudence m'oblige à mettre en doute semblable affirmation. Rien en vous n'évoque des chasseurs de dindes. Je vous assure, monsieur, nous vous attraperons une dinde en un rien de temps. Ça n'est pas vrai, monsieur. Dans ce cas, bon vent. Prouvez-moi que vous êtes des chasseurs de dindes et mes doutes s'envoleront à tout jamais. Quoi? Il a dit, attrapez-moi une dinde. Et au plus vite. En avant, les amis, que le meilleur gagne. We'll be right back.
pas la cerner. À l'attaque! Attendez-moi! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attends, je crois que j'ai une idée! Sa voix basse était stupide! Oh, il faut que tu le fasses, Donald! On a déjà essayé de déguiser Dingo! Mais même une dinde ne voudrait pas de ça! Oh, goulou goulou! Et en plus, un canard, c'est presque une dinde! Tout ce que tu auras à faire, c'est... Vous êtes de vrais chasseurs de dindes, en fin de compte. Veuillez rester et vous joindre au festin. Festin? Oh, ce serait trop cruel. Cette dinde n'a pas été très facile à capturer, mais je regrette, il est hors de question de la manger. Quelle drôle d'idée. Non, nous mangeons du jambon. Cette dinde n'est que notre invité d'honneur. Normalement, j'aime bien les fins surprises, mais pas celle-là. Désolé, nous n'avons plus de dinde. Oh non ! Gus, tu n'es pas censé chasser Monsieur Glouglou, c'est notre invité d'honneur. Allons, laisse-le. Oh, quel sauvage ! Ah, Glou ! Et maintenant, Thanksgiving, c'est le moment de l'année où nous célébrons tout ce qui mérite nos remerciements. Je remercie les gentilles petites souris qui m'ont fait ma robe de bal. Je remercie tous les rires, la joie et cette jubilation intense qui emplissent mon cœur jusqu'à ras-bord. Gaston, Monsieur Dinde est un invité. Je sais, personne ne chasse comme Gaston. Mais voyons si personne ne peut aller s'asseoir comme Gaston. Jamais je ne vous remercierai assez. Maintenant, donnez-moi un autographe. Parfait, parfait, messieurs, dames. Attention, c'est Mouchou qui vous parle, alors écoutez bien. Il est temps d'adresser les remerciements importants. Grand merci donc aux anciens. Oui, ils vous adorent. Et à Mulan pour avoir fait de moi une grande vedette de cinéma. D'accord, d'accord, je ne t'oublie pas, chacun son tour. Mes remerciements vont aux petits également. Mais on ne le connaît même pas. Tout le monde! Tout le monde t'aime, je sais. Oh, c'est à cause de ton cri, il est craquant. Et c'est pour ça que tu es connu. Non, mais je... Je sais. Tu es venu chanter et tu dois te préparer. Oh, je comprends bien. On se retrouve sur scène. Non, oh, je vous prie de m'excuser d'utiliser une phrase bateau, mais c'est reparti mon kiki. Je crains d'avoir trop mangé. Mon estomac fait des clou-clou. Oui, c'est par peur d'être mangé qu'il fait glou-glou. Si vous aimez Tic et Tac, vous allez adorer le prochain dessin animé.
Je vais faire un délicieux dîner qui ne serait pas complet sans mon célèbre gâteau aux noix. Oh, mais où sont passées les noix? Nickel, je gardais ces noix pour le gâteau du repas de ce soir. Et tu les as toutes mangées. Que peux-tu dire pour ta défense?
fameux. Je sors de chez le coiffeur. M'expliquer. Tu n'es qu'un goujat. Je vais passer des heures pour avoir cette coiffure. Un peu difficile à mâcher ces noix. Mesdames et messieurs, ce soir parmi nous, Monsieur Dind. C'est à moi. Jamais une telle chose, n'est-ce pas? Et moi je t'assure qu'ils sont assoiffés de sang, tu ne le vois pas dans leurs yeux, ils veulent mes abats. Mes précieux abats. Oh, allons, bien sûr c'est Thanksgiving, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Nous avons un public tout à fait bien élevé dans cette ville, pas de problème. Oh, Mickey, on a un problème. Eh bien, si on ne mange pas de dinde, je vais manger autre chose, comme par exemple du jambon. Hein? Rendez-vous à la maison de Brick dans 2 minutes. Salut. Bien élevé, n'est-ce pas? Pas de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Oh, la mauvaise farce! Comment vas-tu sortir d'ici? Ah, je crois que j'ai une idée. J'espère qu'on va voir notre film. Ils n'ont pas fait l'espèce de Nigo qui devait avoir la tête dans un bol de noix. Je ne comprends rien à ce que tu dis. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. La cloche a sonné. Ding ding don. Attrapez la dinde. Très bien, Mike. À toi le dernier mot. J'ai compris, Mickey. Le gâteau de Thanksgiving était offert par la pâtisserie du cavalier sans tête. Vous ne pourrez pas échapper à sa saveur citrouillée. Avec ses desserts, bonjour le sommeil, adieu le petit creux. Les gâteaux à la citrouille du cavalier sans tête, vous en perdrez la tête. Attention à la perte de poids.